Allez, salut les loulous, on est reparti pour le 10e match de la saison. Gold Maca en ligne, sinon en ligne, on s'en fout. Et cette fois-ci, on va attaquer le FC Barcelone. Et j'ai été faire un tuto dans mes options et j'ai vu qu'en fait, j'avais pas le gardien. Mon gardien, c'était pas le bon gardien. C'était le gardien remplaçant. Donc j'ai vu que j'avais un gardien bien plus fort normalement. Donc on va bien voir ce qu'il va donner. Hertz. Hartz, je sais pas comment ça se dit. Du coup, j'ai changé un peu de joueur. J'ai remplacé Fernando contre Fernandinho, ou je crois. Ou j'ai changé, je sais plus. Non, j'ai mis Sterling, je crois. Sur le terrain au milieu. Et puis, on va bien voir. Sans, comme j'ai dit. Je l'avais dit de toute façon, j'ai passé la ligue. Mais bon, tant que je gagne pas la coupe ou que je fais pas mes 10 matchs, je peux pas changer de division. Donc. Bon, on va essayer de sauver les meubles hein, maintenant. Après 3 nuls, 3 victoires et 3 défaites, dont 2 consécutifs ultra lourdes contre l'FC Barcelone et contre, contre Manchester. Non, je vais dire quoi. Bon, tu joues à Blaireau là, putain, qu'est-ce qu'il me fait lui? Et contre je sais plus qui. Ah, petit but de Yaya Touré. Bon, après, s'il se déconnecte au cas où, je vous laisserai. On fera un petit résumé. Hein, parce que là, le gars, il a pas l'air d'être motivé. Regardez-moi ça. Il a pas l'air d'être motivé. Moi, je suis obligé de le gagner ce match. Donc, il va essayer, peut-être essayer de tout faire pour que je me casse. Mais je vous l'ai dit, moi, ça marche pas. Donc, on va bien voir. Je me suis pris des pralines depuis tout à l'heure, alors c'est bon. J'espère que vraiment ce gardien il sera meilleur que l'autre. Parce que franchement, heureusement que j'étais fait un petit tour dans mes options quand même. Pouf, je crois qu'il allait mettre lui-même dans ses cages. Quoi. Donc j'ai changé. Hein. Parce que Kojak, après le but de casquette, j'aurais dû regarder bien avant. Mais bon, c'est vrai que le jeu met. Mais les. Oh putain, t'es sérieux. Le gardien qui se trouve, super. Mais un peu tout en automatique quoi, il fait tout seul. Du coup il y a des certains joueurs qui sont ultra bons et qui met en réserve quoi. Donc je me prends un vieux but de la merde. Moi j'arrive pas à marquer sur corner, lui il vient d'en faire un, il en met un tout de suite. De toute façon que je perds ou que je gagne, j'en ai rien à foutre, hein. Sérieux. Ah oh, pas deuxième corner, putain. Ouais, pour Nasri. Allez, vas-y, cours, copain. Je voulais pas tirer, hein. Promis, je voulais pas tirer. Ah, mais le gardien il est pas sorti. Lui, son gardien il est resté sur la ligne. Donc, si quelqu'un peut me dire comment on fait pour laisser le gardien sur la ligne sur les corners, ça m'arrange. D'ailleurs, part vraiment en contre. Avec Iniesta. Ouais, faute. Mets-lui une biscotte à lui, parce que sérieux. Faut que je cherche le bousquet. Je sais pas si avec un match nul, même si je prends 13 points, est-ce qu'il me donnerait la coupe? J'en sais strictement rien. Je pense pas, mais bon. Non, c'est pas pour là, c'est pas grave. Ah, petit arrêt de Hertz. Oh, je joue contre un boucher, les mecs. Hein. Ça, il va se reprendre une biscotte. Allez, rouge direct pour Neymar. Allez, vas-y, casse-toi. Alors là, le mec il fait nappe. Ah,
gros boucher le gars. Je joue contre un boucher les mecs. Allez hop, j'ai changé à lui, c'est le nouvel entrant dans l'équipe, Fernandinho, et il marque déjà son premier but. C'est plutôt sympa, allez 2-1. Le boucher, je rencontre un boucher. Voilà, c'est vraiment du pressing, hein, pressing au pressing, hein, voilà. Faudrait que j'aille blesser Messi ou Suarez, comme ça bah là, là je serai tranquille, je tue tout son ossature. Oh là 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 là, boucher. Oh le boucher, il va se reprendre une biscotte. Allez hop, carton rouge. Ah non, il n'y avait pas le Gérard Piqué. Ah putain, c'est quoi ce coup franc? Rugby 3 points. Les mecs, je rencontre le boucher. Le boucher de FIFA. Ah bien vu le tacle. Petite faute. Mais sans tacler pour pas se prendre la biscotte. En cumulant, bien sûr, je vais en sûrement manger une à un moment ou à un autre. Hein, faut pas vous en faire. Pour compensation de toute mon œuvre. Faites un joueur, il a même pas pris le ballon quoi. Ouais. Ah mais là copain, centre pourri. Putain, je joue vraiment contre un boucher les mecs. Hein. Putain, il veut tuer mes joueurs, c'est un truc de fou. Un gros carton. Je crois que toute l'équipe de Barcelone va se manger un carton. Hein. Ah voilà, bah, j'arrive enfin à mettre un but sur corner et but d'Aguero. 3-1. En même temps, tu joues contre un boucher, tant mieux, bah, je vais gagner la coupe peut-être grâce à ce bonhomme. On va l'appeler le boucher de FIFA. On va l'appeler le boucher de FIFA. Putain, c'est boucher le gaillard, putain. Et moi, j'ai chopé 3 cartons jaunes, un rouge, un boucher. Un boucher. Bon, bah là, il n'y a pas photo sur les stats, hein. C'est un truc de fou. On est reparti avec le boucher. Ref. Ah, faute. Bon, ça va, moi je mange pas les cartons parce que je fais pas des trucs vilains. Ah, barre transversale d'Aguero. Ah merde, t'as dans le micro, désolé. Je viens de shooter mon micro. Un truc de fou. Putain, mais je sais pas ce qu'il cherche le gars là, à faire des tacs de malade. Le mec, il fait n'importe quoi. Il sort son gardien, il fait tout n'importe quoi. Ouais, je vais manger enfin ma biscotte, hein. Là c'était sûr. Ah non, il me dit rien. C'est cool. Mais je pense qu'à la prochaine, j'y ai droit. Puis en plus, il y a les comptes favorables. Hein.
Ça va, mon gardien est là d'être un peu plus présent, même si sur le premier corner, je me suis pris un vilain but. Bon, voilà, ça sort, hein. Ce sera pour lui normalement. Voilà. Ah non, ça c'est tout pourri. C'est tout pourri. Ah, le mec il joue plus. Hein. Ah si, je croyais qu'il allait plus jouer. Faute. Ouais. Vraiment des petites fautes à la con quoi. C'est je cours quoi. Ah dommage. Bon, il tacle déjà moins que tout à l'heure, j'ai envie de vous dire. On va dire qu'il s'est calmé, pépère là. Ah, mais De Bruyne, il n'a pas suivi le case. Bien sûr, il va me donner tous les joueurs sauf ceux qu'il me faut. Ouais, le gardien y est présent celui-ci, c'est déjà mieux. Putain, sérieux. Ah, je tire à côté, le but de casquette, sérieux avec De Bruyne. Ah, bah il me donne un pénalty. Ah bon. Ah bon, ah bon. Oh, bah le mec, il a la ramasse. Hein. Je sais pas c'est quoi comme joueur ça, mais sérieux. C'est Ramaslan. Ouais, il va se barrer. Ramaslan, le mec. Allez, mec. Ouais, bah voilà. Ouais. Victoire, il y a rage kit. Voilà. Pour la dernière rencontre, hein, voilà, petit rage kit. Donc je la mettrai après. Bah après l'autre match, hein, je ferai. Comment dire, une coupure, hein. Je ferai du montage sur ça parce que sérieux, là c'est pas possible quoi. Donc vous aurez eu droit à deux matchs en même temps. Malheureusement, j'ai joué contre un drôle de personnage. Bon, il m'offre la victoire, il m'offre la coupe, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo là, vous aura plu, très courte. Allez, salut, tchuss, et un rage kit pour finir cette saison 9. Donc rendez-vous à la saison 8, la prochaine fois, allez, salut.